tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la reprise, c'est la rentrée. Donc il va y avoir quelques changements. Donc les changements, c'est que pour le moment il va y avoir une vidéo chaque vendredi. Il y aura peut-être un deuxième jour qui va s'ajouter, mais j'attends de voir mon horaire au niveau des cours. Il va y avoir des lives sur Zwift, il va y avoir des lives sur le cyclisme en général. Enfin quand je ne roulerai pas. Donc plein de nouveautés, donc ça va être incroyable. On a des nouvelles énormes à vous annoncer avec Quentin. Mais pour ça je vous invite à rester connecté demain sur Instagram, sur celui de Quentin Ruel et sur le mien. Donc rejoins-moi sur Instagram, il s'affiche là si tu n'y es pas encore. Et si tu as besoin des liens, c'est dans la description. Alors cette course, c'était la course de Besançon-Rieux. C'est le championnat du monde EDH. Alors j'aimerais bien vite mettre quelque chose au clair. La chose que je voudrais mettre au clair, c'est que oui, c'est un championnat EDH. Le DH, c'est l'échappée du Hainaut. C'est une petite province, enfin c'est une grosse province de la Belgique. Et donc oui, c'est pas du niveau professionnel. Mais je n'ai pas été là pour être au niveau professionnel. Les gens qui participent à ces courses savent bien qu'ils sont pas champions du monde, mais qu'ils sont en EDH. Mais croyez-moi, c'est déjà pas mal d'être champion du monde dans l'EDH parce que le niveau est quand même très très élevé. Je vous invite à suivre cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, on se retrouve à la fin. Félicitations encore à toi Joachim, il sera sûrement dans les commentaires parce que c'est un abonné, donc mettez-lui GG Joachim. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et voilà, on se retrouve donc pour la course de Besançon-Rieux. Alors, c'était une course de 85 km qui était répartie en 12 tours. Alors, je ne sais plus combien de kilomètres faisait le circuit. Alors, vous avez vu que pour cette rentrée de septembre, j'ai changé l'interface. Il est jaune tout simplement parce que mon maillot est jaune et donc j'ai décidé de mettre un maillot jaune. Mais très bientôt, mon maillot va changer de couleur et donc l'interface changera de couleur également. Alors, j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo. N'oublie pas de le dire par un commentaire, un pouce bleu et un abonnement. C'est très important pour le développement de la chaîne. J'ai pas encore eu le temps de vous le dire parce que c'est pendant mes vacances en fait que c'est la nouvelle est tombée, mais nous sommes 2000 sur la chaîne, donc un énorme merci à vous pour être présent et d'être aussi assidu pour regarder mes vidéos. Alors on est parti comme d'habitude pour voir le premier tour en entier. Premier tour donc là où c'est un faux plat descendant, vent défavorable avec des îlots directionnels comme vous avez pu le voir au milieu. Donc il faut être attentif à ce genre de choses parce que les gens peuvent s'écarter très rapidement et vous pouvez ne pas voir l'îlot et donc vous le prendre dans la tronche. Alors à 53 km/h, ça peut faire très mal. Alors directement après, on avait un léger faux plat qui tournait autour de 1 ou 2% dans lequel il y avait des casse vitesse, des dedans, des pancakes comme on peut appeler ça aussi parfois par ici. Donc il y en avait deux en plein milieu de la côte à 1 ou 2%. Faut savoir que ça roulait très vite. Alors le premier tour, enfin même les deux premiers tours, ça rouler plus ou moins à 45 km/h de moyenne et vous allez voir que ça va avoir une incidence sur la course un peu plus tard. Alors en plus ici on peut voir que je suis quand même assez mal placé tout simplement parce que je n'imaginais pas avec le vent, il y avait vraiment un vent très très fort, j'imaginais mal un groupe pouvoir partir et tenir jusqu'au bout. Donc dans mon analyse de course je m'étais dit Alex, ça ne sert à rien de rouler trop devant, tu vas t'épuiser pour rien parce qu'en fait j'ai la mauvaise habitude de quand je suis à l'avant de vouloir absolument prendre les relais ou attaquer. Donc au moins quand je suis derrière je bouge pas, je suis dans les roues et je suis tranquille. Alors ici il fallait faire attention aussi parce qu'à l'extérieur du virage c'était des dalles en béton comme on a l'habitude d'avoir en Belgique et ça pouvait en fait faire qu'on se coince la roue à l'intérieur ou tout simplement qu'on puisse crever. Alors je vous assure que vu le nombre de crevaisons qu'il y a eu sur cette course, j'étais très heureux d'avoir des boyaux et non des pneus, ça évitait d'avoir une pincette. Vous pouvez également remarquer en bas à gauche que ma fréquence cardiaque est assez élevée. C'est tout simplement parce que j'ai fait une pause vacances dès que Quentin est parti pour pouvoir étudier pour mes examens parce que je suis encore aux études, j'avais des examens à repasser et donc j'ai plus été faire de course, je me suis entraîné beaucoup moins et donc ça a fait que quand j'ai recommencé les courses, mes pulses étaient très très élevées parce que j'avais tout simplement plus l'habitude. Alors on peut voir qu'à l'arrière de ce peloton, ça a frotté pas mal. Hein. Juste avant, vous avez vu une image, un gars qui a été un petit peu sur la droite, qui a gêné un peu tout le monde. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et vous allez voir qu'au cours de cette course, il va y avoir beaucoup d'éléments comme ça pendant cette course où les gens vont,
vont se pousser. Alors que là, à ma droite, on voit le champion du monde, enfin l'ancien champion du monde, parce que oui, cette course, c'est le championnat du monde EDH. Alors je voulais remettre les pendules à l'heure par rapport à certains commentaires que j'ai vus, surtout sur la chaîne de Quentin. L'EDH, c'est une ligue extérieure à la FCWB. C'est une ligue où il y a des amateurs qui roulent, mais c'est pas pour ça que le niveau est faible. Il y en a beaucoup qui ont critiqué l'EDH, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des élites qui vont en EDH, et c'est pas pour ça qu'ils gagnent, même des très bons élites qui gagnent des courses. Donc c'est quand même un niveau très élevé. À comparer avec le système français, ce serait entre une première et une deuxième catégorie en France. Donc ça roule quand même très très fort. Alors on revient au circuit avec cette partie qui est vraiment très 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 roulante, parce qu'on a le vent favorable mais qui est aussi très 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 dégueulasse. Ça arrive, les circuits de course c'est comme ça, Paris-Roubaix ils se plaignent pas des circuits, mais il faut en prendre compte pour la suite de la course, parce qu'il y a des trous, il y a des graviers, c'est pas spécialement facile de remonter. Donc pour la suite de la course, bien penser que ici toute cette partie c'est un chemin étroit avec des trous, il faut être attentif. On va surtout prendre un virage bientôt sur la droite, et dans ce virage à droite, ça se resserre, il fait très sombre, les bords de la route sont très très abîmés, vous allez voir ça bientôt. Et on peut voir que la vitesse, bah, ça ne débranche pas, hein. On est toujours sur une vitesse quand même qui est assez élevée. On a déjà fait 3,3 km en 4 minutes 40, donc ça roule quand même assez vite. Alors je me sens un peu rassuré en fait à ce moment-là de la course, parce que toutes les grosses pointures qui ont l'habitude de rouler devant et faire la course se trouvent en fait à l'arrière. Alors j'ignore pourquoi, mais on a les deux champions de Belgique qui sont derrière, on a des élites qui sont à l'arrière. Il y a vraiment énormément de monde qui roule derrière, de bons coureurs, donc je me dis ok, s'ils sont derrière, c'est-à-dire qu'ils sont pas devant, donc ils peuvent pas prendre l'échappée, donc je vais pas trop m'en faire. Et là, ici, il fallait faire attention parce que, évidemment, il y avait un vélo avec une remorque attachée et la remorque dépassait. Heureusement, on était en file indienne, donc ça n'a pas eu d'incidence. Et en plus, ça a été favorable pour moi parce que ça a permis, du coup, que je fasse un petit effort pour venir me replacer sans trop de difficultés. Bah, sans trop de difficultés, je suis quand même à 190 pulsations. Mais physiquement, je me sentais super bien. Voilà, donc à ce moment-là, je me retrouve en fait dans les 10-15 premiers de la course, et alors il y a une échappée de 3-4 coureurs, mais qu'on a en point de vue, donc pas dangereux du tout. Et je vous assure que en fait, c'est beaucoup mieux d'être placé là que derrière. Parce que derrière, avec les trous, on voit pas grand-chose, ça freine plus. Ce qui veut dire que si ça freine plus, il faut relancer plus fort. Comme vous pouvez le voir, tous les champions de Belgique sont là. On a le champion de Belgique de la catégorie A, A+, qui est devant moi, le numéro 28. On a le champion de Belgique de la catégorie B, qui est là-bas à gauche, là vous le voyez, le 221. Et on a le champion de Belgique de la catégorie A, qui est là avec le numéro 18. Alors oui, ce sont des champions de Belgique EDH, mais vous inquiétez pas que... Il roule très 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 bien. Le Dossard 9 qu'on peut voir là, c'est un élite. Le Dossard 27, c'est également un élite. Le Dossard, là qui me passe, j'ai pas vu le Dossard, c'est aussi un élite. Le bleu et jaune, c'est aussi un élite. Et donc là, je me dis, ok, accroche-toi Alexandre. Il faut savoir que là, ça monte. Hein. On est dans une côte où on va atteindre des 4-5%. Et alors, ça va rouler très très fort quand même. Et je vais me dire, ok, tu t'accroches parce que ici, il peut y avoir une cassure. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas de cassure dans cette course pour la simple et bonne raison que vous allez le voir plus tard. Les échappés vont mettre énormément de temps à s'échapper. Alors ici on est sur le haut de la bosse, tout le monde est à bloc, on peut voir que devant ça pédale un petit peu carré chez tout le monde, il y a du vent, là on a le vent défavorable, il y a aussi le fait que ça continue à monter, là la pente affiche 0% mais ça monte toujours bel et bien, et après en fait on va avoir une redescente, voilà, là en fait on est déjà dans la descente, et du coup ça permet de récupérer un petit peu, de refaire retourner les jambes, mais je vous assure que ce passage, je pense que tout le monde serrait les fesses, et en fait au final vous allez voir en fin de course que ce passage va m'être avantageux par rapport aux autres coureurs.
Alors c'est un circuit quand même si le vent est défavorable et qu'il y avait beaucoup de vent, depuis le début vous voyez qu'on est dans les maisons, dans les arbres, etc. Donc on était quand même relativement bien protégé. Ça roulait quand même très très vite, hein. Vous avez vu, on n'est jamais en dessous de 45 km/h. Même là, les gens ne pédalent pas, mais on est à 46 km/h. Donc un circuit en fait qui était très roulant, très rapide. Le seul défaut entre guillemets de ce circuit, c'était vraiment l'état des routes. Mais bon, c'est la Belgique, c'est comme ça, on doit s'y faire. Si en Belgique on n'a pas l'habitude de rouler sur des routes comme ça, il faut qu'on aille courir dans d'autres pays. Alors là, il y avait un autre passage un petit peu compliqué, donc c'était le faux plat, et puis là, c'était fort étiré parce que ça redescend. Et sur la gauche, là, vous allez voir, il y a un camion qui était garé, et donc il fallait faire attention à ce camion qui pouvait être gênant. Et on a eu pas mal de surprises, hein, lors de cette course. On a eu, je les ai pas en vidéo malheureusement, mais on a eu un camion qui roulait pas assez vite devant la course, donc heureusement, il n'y a pas d'échappée, donc le peloton était groupé, mais du coup, ça a fait une espèce de neutralisation de la course. On a une mobilette qui est arrivée à contresens, on a eu des chevaux qui étaient en balade aussi à contresens. Donc une course un peu folklorique. Il y a même un coureur qui m'a dit, c'était la première fois qu'il venait, il m'a dit c'est toujours comme ça en UDA. J'ai dit non, rassure-toi, là c'est assez spécial. En attendant, là on a un contre qui se prépare, enfin une attaque clairement. Et donc du coup je vais juste me glisser dans la roue du Dossard 215, qui n'est pas dans ma catégorie du coup, et qui va gentiment me ramener. Alors là c'est la première fois que je prenais le virage ici à bloc. D'ailleurs on voit que j'ai pris un trou et que la caméra s'est baissée d'ailleurs. Sincèrement j'ai cru que ça allait pas passer ce virage, et pour finir c'est passé. Et alors il faut savoir qu'en fait il y a une cassure derrière moi là. Donc je suis un des derniers coureurs je pense. Et en fait là je me dis ok, on est en échappée, échappée au deuxième tour, on est quand même nombreux. Là on est un groupe de 5-6, il y en a encore devant 2. Donc si on se regroupe on est un peu moins d'une dizaine. Donc je me mets à rouler, il n'y a plus personne derrière. Et je me dis c'est le moment de faire le forcing, il y a moyen de faire rendre l'échappée. Alors comme vous le voyez je suis déjà limite à bloc, mais devant c'est le champion de Belgique avec un des espoirs élites qui est devant. Donc je me dis eux si on les laisse sortir ça va être très compliqué à les récupérer. Du coup je me mets vraiment à bloc, sauf que je suis à 190 pulsations au pied de la côte, enfin au pied du faux plat. Et donc ce qui se passe c'est que là je suis en 3ème position de la course, il n'y a personne derrière, mais je me retrouve dans le faux plat à bloc. Tout le monde se relève parce que derrière on se rend bien compte que bah, ça roule, ça n'a pas débranché. Moi je me dis je fais quand même le forcing parce qu'avec un peu de chance tout le monde va vouloir se relever et il y a moyen de faire un coup. Et puis relativement rapidement je me rends compte qu'en fait ça rentre. Je me fais contrer par un des élites espoirs qui participait à cette course. Puis je vais me faire contrer encore et je vais tout simplement aller récupérer ma place au sein du peloton. Là on voit clairement que j'attends, hein, en fait j'attends tout simplement le peloton. J'essaie de faire redescendre un petit peu les pulsations parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment là on a fait que 8 km, et c'est toujours un peu délicat de se mettre à bloc comme ça dès le 8ème kilomètre. Donc je me suis fait contrer, je vais rester placé. Là ça frotte un petit peu mais bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je me suis fait contrer, mais il y a quand même pas mal de gros coureurs. Là, il y a Stéphane Wins, là, le Dossard 221 avec le maillot du champion de Belgique, qui est un très très bon coureur. Et je me dis, bon, s'il bouge pas, il n'y a pas trop à s'en faire. Et on se retrouve donc au kilomètre 11 plus ou moins. Et là, bah, ça bordure sévère quand même. Moi, ça va, je suis pas trop dans le mal, mais il y a eu des cassures à cet endroit-là. C'est ce qui arrive quand on a un vent qui vient de trois quarts côté. Oui, alors là je fais aïe 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 parce que je comprenais pas trop en fait. Il y en a qui roulent parfois pas très droit. C'est, donc voilà, ça peut être dangereux. Heureusement les gens qui sont derrière savent plus ou moins rouler à vélo. Et là on peut voir que je me suis vraiment très bien replacé. Hein. Après avoir pris... en fait là je suis dans un moment où je me dis ok, on a presque eu une échappée. Donc je vais rester attentif parce que ça a l'air d'être un petit peu nerveux. Les gens ont envie de partir donc je vais rester à l'avant. Et je vais avoir raison parce que là donc on a le numéro 9, l'élite. On a les deux champions de Belgique EDH, chacun respectivement de leur catégorie. Je me dis il y a du bon monde à l'avant. C'était ceux qui étaient derrière en fait et ils sont devant maintenant. Donc c'est le genre de coureurs qui connaissent la course, qui sentent le bon coup. Et j'ai bien fait de me placer parce que voilà, on a les... donc on a deux champions de Belgique présents à la course sur trois qui attaquent. Et donc je vais tout simplement aller prendre la roue. Et là encore une fois derrière moi quand je me retourne, ben, en fait il y a tout simplement plus personne derrière. Mais ça ne collabore pas. Enfin pas tellement, il y a juste le champion de Belgique de la catégorie A qui va passer là ici, le numéro 18. Et moi je vais aussi prendre son relais.
Et là, on est encore dans la côte une fois de plus. Donc là, je me mets encore une fois à bloc. Et il y a un trou. Sauf que derrière, on est 5. Sur les 5, il y en a 2 qui passent. Donc le champion de Belgique de la catégorie A et moi. Et donc du coup, moi, je vais me dire, tu vas pas rouler comme un con tout le temps. Voilà. Les deux champions de Belgique qui passent. Là, ils appuyaient tellement fort sur les pédales. J'ai dû me mettre en danseuse, pousser comme un malade. Mais vous allez voir que ça va très vite se relever. Parce que derrière, tout simplement, le peloton ne veut pas nous laisser partir. C'est déjà la deuxième fois en 12 km que je tente une échappée. Et ça fait deux fois que ça ne passe pas. Donc là, tout, le premier se relève, il passe son relais. Le deuxième passe son relais, je passe mon relais. Je collabore tout à fait. Parce que moi, mon objectif, c'est de prendre l'échappée. Je suis en forme, il n'y a pas de raison que je ne collabore pas. Mais le problème, c'est que après, plus personne ne prend mon relais et que donc le peloton rentre. C'était pas à moi de faire le travail à ce moment-là. Donc il y en a un qui contre. Le champion de Belgique y va. Moi, il faut savoir que là, je suis complètement à bloc. D'ailleurs, l'autre champion de Belgique, il sait pas y aller non plus. Donc là, je me dis, ok, on a un des champions de Belgique à l'avant et on a un coureur amateur. Qu'est-ce que je fais? Alors honnêtement, là, je savais pas aller plus vite que ma vitesse dans la roue. Donc j'ai tout simplement décidé de ne pas y aller. Et je vous pose la question, est-ce que j'aurais dû y aller, oui ou non? Et ben on se retrouve au 41e kilomètre. Et j'ai bien fait de pas y aller, tout simplement parce que le champion de Belgique, il est à ma gauche, qu'il n'y a toujours pas d'échappée, il n'y a toujours rien. Donc c'est une course en fait où il y a eu beaucoup d'attaques, où je suis resté placé. Donc là il faut savoir que depuis que j'étais à l'avant, je suis resté placé devant, là, dans les 10 premières positions, même les 5-6 premières positions, et que ça n'a servi strictement à rien. Alors je me mets à rouler là, pourquoi? Parce qu'il y a deux élites qui sont à l'avant, deux élites qui sont des pas trop mauvais coureurs, et que ici le circuit est favorable vu que c'est une légère descente avec le vent de dos. Et donc je me dis, si le peloton décide de pas rouler à ce moment là, ben ça va me permettre de rentrer. Sauf que bien évidemment, à chaque fois que je levais les fesses, ça faisait hop hop hop. Et donc du coup, tout le monde était dans ma roue. Donc là, je m'accroche pour continuer l'effort. Et je crois que c'est à ce moment-là, j'ai vraiment cru que c'était la bonne échappée. Faut savoir qu'en fait, là, il y a un gros trou derrière nous. On est à l'avant. On va passer comme des fous devant la ligne d'arrivée. Je vais me dire, ok, c'est parfait, Alex. T'es dans la bonne. Il y a moyen. Ça va aller au bout. Par contre, au niveau des pulsations, on voit que je suis clairement à bloc. Je manquais clairement d'intensité. Mais tous les autres sont à bloc. Vu comment ils sont sur leur vélo, à ce moment-là, tout le monde est à bloc. Mais moi, je peux plus y aller. Donc je vais laisser tout simplement ceux qui sont derrière moi passer un petit peu avec l'ancien champion de Belgique là qui est juste à ma gauche, le champion du monde pardon, il avait le numéro 1, donc c'est lui qui remettait son titre en jeu. Et donc je vais quand même m'accrocher et on va être parti. Là il faut dire qu'on est parti, on a un groupe de 10, il y a une grosse cassure derrière. Le reste du groupe est plus ou moins à, je dirais, 60, 80, 100 mètres plus ou moins. Et vous allez voir qu'en fait ça va pas s'organiser. Parce qu'il faut savoir que c'est... Enfin moi je n'avais pas le droit de prendre le maillot parce que je suis pas licencié dans cette fédération. Mais tous les coureurs qui sont là, ils sont licenciés, ils peuvent gagner un maillot de champion du monde. Donc tout le monde calcule un petit peu ses efforts. Et donc ce qui fait que les échappés parfois vont pas au bout. Donc là ça roule très 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 fort. Là le peloton n'est toujours pas rentré hein. Donc dans ma tête je me dis toujours, ok Alex, n'en fais pas trop parce que vu que t'as essayé 40 échappées et que sur les 40 il y en a aucune qui a été. Ici il reste dans les roues, c'est un gros groupe, les autres font le travail. Et si jamais on est vraiment parti, tu commenceras à travailler à ce moment là Le problème c'est que tout le monde a fait un effort immense là, avec vent défavorable, pour pouvoir être dans ce groupe de compte. Et donc du coup il n'y a pas grand monde qui peut rouler. Alors il y a des coureurs qui essayent de relancer l'échappée là à notre gauche. Et en fait sur le temps qu'ils relancent l'échappée, qu'on se remette à rouler. Pourtant on roule quand même vite, on roule à 40 km/h dans la côte vent de face. Donc c'était quand même une bonne vitesse. Mais on va se rendre compte très rapidement en fait que le peloton rentre sur nous. Et donc là moi je le vois très nettement que le peloton rentre sur nous. Donc je vais tout simplement hop esquiver mon relais, venir me mettre à droite de l'ancien champion du monde. Et tout simplement patienter là que le peloton arrive. De toute façon, ils sont à 10 mètres de nous. C'est plus la peine. Voilà, le peloton vient de rentrer. Et donc, je vais me remettre à l'abri. Tout simplement. Alors après ce gros effort, parce que c'était quand même un effort très violent, même si c'est assez court, c'est très violent, je vais tout simplement aller me mettre à l'arrière du peloton, papoter avec mon équipier Clément. Donc je vais aller retrouver Clément à l'arrière
et on va papoter pendant donc du 45e kilomètre au plus ou moins 65e kilomètre. Et puis je vais faire les 15 derniers kilomètres plus ou moins à l'avant. Sauf que oui, j'allais oublier cette partie. Ici, on a encore l'élite, le même. Hein. Il a des fourmis dans les jambes. Il s'appelle Gilles et il attaque encore. Et c'est quand même un très bon coureur. Donc je me dis, s'il attaque, il faut être avec. Donc je vais attaquer. Je vais revenir d'abord assez vite sur lui, je vais voir la distance se réduire très rapidement et ensuite je vais caler un petit peu. Je pense que j'ai été un peu trop fort, j'aurais dû faire une attaque un peu plus régulière. Donc là actuellement il y a donc Gilles devant qui est tout seul, puis il y a deux coureurs et moi, mais c'est moi qui prends le relais. Là je vais attendre que je vais faire passer mon relais aux autres coureurs. Et puis derrière nous, 100 mètres derrière, on a encore une fois le peloton. Et donc je me dis, ok, si ça s'entend, il y a moyen revenir. Sauf que là il passe mon relais, mais il passe le relais, il regarde déjà à l'arrière, il ralentit déjà. On voit que l'échappée, ça a pas l'air d'être trop son envie du moment. Et donc forcément, au pied du faux plat, là, dans le bois que vous voyez devant nous, eh ben, on va se faire reprendre. Donc là, il y a un élite qui me passe, là, à ma droite. Mais vous voyez, ça collabore pas des masses. Et donc au pied, là, du bois, dans la bosse, je vais tout simplement me faire contrer. Enfin, tous ceux qui étaient dans l'échappée, on était trois. On va se faire contrer et ils vont passer comme des fusées à notre droite. Et là, je vais devoir vraiment m'accrocher. Regardez-moi ça, les fusées qui passent. Moi, je suis à 185 pulsations, à 30 km/h, dans la côte. J'essaye de faire l'effort en me disant, Alex, il faut que tu prennes le second souffle tout de suite, parce qu'autrement, tout le monde va te déposer et tu risques de te faire lâcher. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Il y a toujours des fusées qui passent à ma droite. Là, je me dis, oui, ici, il va y avoir une cassure phénoménale et tu ne vas plus jamais rentrer. Et bien, au final, non, je vais essayer de m'accrocher. Donc là, je m'accroche. Je vais reprendre les roues et au final, bah, il n'y aura pas de cassure, il n'y aura rien du tout. Mais je me suis quand même fait une frayeur. Par contre, le point positif du coup, c'est que j'ai pu remarquer que mon second souffle est revenu. Depuis que j'avais arrêté le vélo en junior 2, donc ça fait quand même quelques années vu que je suis espoir 4, j'avais plus jamais eu ce second souffle. Quand j'explosais. Et là, j'ai eu le second souffle, donc j'étais en train d'exploser, et j'ai pu encore remettre des dents, remonter sur mon vélo, remettre de la puissance pour m'accrocher. Et ça faisait énormément de temps que j'avais plus eu ça. Nous voilà donc au 70e kilomètre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je me suis mis derrière, en fait, après ce contre, je me suis mis à l'arrière, on a papoté parce que on avait bien compris avec Clément que échapper il n'y aurait pas, ou en tout cas, pas avant le dernier tour. Et du coup, on avait décidé de papoter à l'arrière. C'est pas très bon à faire parce que mais le problème, c'est que tu peux louper l'échapper, tu peux ne pas être attentif, du coup. Mais c'était pas un problème en soi, parce qu'il y avait très peu de coureurs quand même à ce moment de la course, on devait être une cinquantaine, donc même si on est 50e en dernière position, ça laisse quand même de la marge pour pouvoir remonter. Donc à ce moment-là, il reste exactement deux tours, donc le 11e tour et le 12e tour, et on papote avec Clément tranquillement. Je venais de prendre un bidon au directeur sportif, donc pas besoin de bidon ailleurs. Donc là on était plutôt bien avec Clément, ça raconte des blagues, on rigole, devant c'est fort effilé, mais on est tranquille, hein, on est vraiment bien. Et alors, surveillez le numéro 14 qui est à notre gauche là, parce que je l'ai charrié à ce moment de la course, je lui ai dit, parce qu'en fait c'est un abonné, et il m'avait dit, ouais je vais être champion du monde, c'est mon objectif de la saison. Et moi je lui avais répondu, qu'on verrait le jour de la course, etc. Et que moi, vu que je pouvais pas prendre le maillot, je ferais premier de la course et lui, il ferait deuxième et il pourrait prendre le maillot. Donc je l'ai charrié à ce moment de la course en lui disant, c'est pas une place pour un futur champion du monde. Parce que il était clairement dans les dernières positions, avec Clément et moi. Là, on peut voir que devant, là, on a les deux dossards bleu et jaune qui a une équipe élite qui sont en train de papoter. Donc là, je suis attentif à ce genre de trucs, je dis ok, s'il papote, c'est qu'il prépare un coup, peut-être. Après, bon, moi, je papotais avec Clément et on préparait pas du tout un coup. Donc, ça veut... Mais bon, il faut être attentif, surtout qu'il parle pas français, il parle néerlandais. Donc, on comprend pas toujours ce qu'ils disent très clairement. Donc, il faut mieux être attentif. Et là, vous pouvez voir que c'est très étiré, je suis très derrière. Et voilà, là, je viens de dire à Clément, bon, allez, il faut aller se replacer maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là on est au kilomètre 74, je suis pas bien placé. Et je vais vous laisser la remontada pour aller retrouver l'avant du peloton qui est tout là-bas au fond.
Et vous allez voir que je vais attendre le moment le plus propice pour remonter. Donc là déjà, j'ai la chance d'avoir le dossard 196, qui est un gars qui fait deux fois ma taille, et donc je suis très bien protégé. Là dans la côte, en fait, je me dis, bah tiens, par rapport au début de course, t'es très bien Alex, t'es à 180 pulsations. Faut savoir que je ne produis pas d'acide lactique avant 185 pulsations. Donc je me dis, ok, t'es plutôt pas mal, ça roule bien. Tout le monde est en train de pousser de la bracasse là devant, ils ont l'air d'être tous à bloc. Toi, ça a l'air d'aller, donc je me suis dit, ok, je reste dans les roues là, parce que le vent est défavorable. On voit qu'il y a quand même du vent là dans les feuilles à droite et à gauche. Et ça monte, mais je me dis, dans le haut de la côte, je pense que ce sera le moment le plus propice pour pouvoir remonter. Donc c'est tout simplement ce que je vais faire. Donc je vais remonter en plusieurs phases, mais qui vont être quand même très rapides. Hein. Donc là, hop, première phase, tout le monde est à bloc, moi j'accélère, je gagne quelques places. Hop, hop, hop. Je gagne quelques places ici, donc là je fais quand même un effort hein, qui permet de remonter. Là, voilà, première phase terminée, j'ai remonté une dizaine de places, 10-15 places. Puis je vais patienter un petit peu. Le temps de faire redescendre un petit peu les pulses, de récupérer. Hop, j'ai la chance, le numéro 21 là à ma droite. Il se débrouille bien, il me permet de remonter un petit peu sans que je fasse trop d'efforts, parce qu'il prend la place des autres et je suis dans sa roue, donc ça me permet de remonter aussi. Deuxième phase, je recommence, je redouble encore quelques coureurs. Voilà, puis là, ben, ça se referme à droite. Donc je n'ai pas passé. Donc hop, on va passer à gauche. Il faut toujours essayer de trouver une solution. Parce que là, si je me fais enfermer et que ça repasse à gauche tous les efforts que je viens de faire, eh ben c'est en vain, ça sert à rien. Mais là, on peut clairement voir que je suis déjà pas mal replacé. Hein. Je suis avec quand même les gens qui jouent la victoire sur cette course. Mais je vais quand même aller encore remonter un petit peu pour aller me placer dans les 5-10 premiers. Pour être sûr que si jamais il y a une attaque dans le dernier tour, je puisse être avec. Alors on peut voir que le numéro 14, Joachim, il est bien remonté. Et la troisième phase, voilà, c'est vraiment la phase pour aller se reposer, se repositionner là où il faut. Alors honnêtement, à ce moment-là de la course, je me dis, ça va arriver au sprint. Et donc le dossard numéro 1, là, qui est le champion du monde sortant, je me dis, il va attendre le sprint et il va sortir. Et on se retrouve en passant, donc on est dans le dernier tour, là, on se retrouve là encore une fois sur un peloton qui roule extrêmement vite, une échappée à l'avant qui est en train de se dessiner. Et ça roule, ça roule, ça roule. Donc je me dis, là Alex, c'est à ce moment-là, si tu veux faire un résultat, qu'il faut sortir. Et vous allez voir que je vais avoir un manque de chance, quand même. Enfin, moi j'appelle ça un manque de chance, ou alors c'est un manque de tactique, je sais pas trop comment expliquer, parce que... Enfin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Là, on arrive dans la côte. Le virage avant d'arriver sur le zoning industriel. Et là, on peut voir qu'il y a un coureur tout au bout, là, qui a attaqué. Eh ben, c'est le 214, c'est l'abonné, il a attaqué. Et derrière, tout le monde se regarde. Donc là, je me dis, bon, si tout le monde se regarde comme ça, parce que les mecs qui sont devant, là, c'est des gars qui ont l'habitude de gagner, quand même. Donc je me dis, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, ils vont rouler, ils vont le rattraper. Non ? Sauf que non. Tout le monde attend. Alors, il faut savoir, en fait, pourquoi ça attend. C'est parce que Joachim, lui, il est A. Et que ici à l'avant, on peut voir qu'il n'y a que des B, donc les dossards jaunes, ou des A+. Donc le dossard 28 est un A+, le dossard 27 est un A+, le mec qui attaque là est un A+. Donc en fait, les gens de la catégorie de Joachim ne sont pas représentés là à l'avant du peloton. Donc Joachim qui est en catégorie A a attaqué. Et ben en fait personne les gens qui sont en catégorie A se disent bah ok tant pis on laisse tomber le titre de champion du monde. Mais en fait il devient inintéressant pour les A+ et pour les B. Ça devient un petit peu tactique et technique. Mais en gros il y a personne ici pour le titre de champion du monde, personne n'est intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'il n'y a pas de représentant de la catégorie de Joachim qui est à l'avant. Donc ça se regarde, pendant que lui est certainement, enfin j'en ai discuté avec lui après la course, pendant que lui est en train de rouler à 40-42 km/h, même au-dessus de 40 tout le temps, nous on roule à 30-35 km/h, et donc il prend du temps, beaucoup de temps. Lui pensait que c'était à ce moment-là qu'on s'était relevé, mais en fait pas du tout, à ce moment-là c'est là où ça a un petit peu réaccéléré, mais on ne l'avait plus en ligne, en point de mire, donc c'était un petit peu terminé. Donc le peloton a laissé sortir Joachim, tant mieux pour lui,
Parce que vous allez voir en fin de course que, bah, en fait, vous l'avez vu dans le titre, il va être champion du monde, donc très bien joué de sa part. Il a tenu sa parole, il a dit en live, je vais être champion du monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu champion du monde. Félicitations à toi. Mais vous allez voir que du coup, un peu plus tard, on va encore avoir d'autres attaques. Et là où je suis dégoûté, c'est qu'il y en a un qui attaque, donc il y a Joachim devant, il y en a un autre qui attaque, le peloton laisse sortir. Il y en a un troisième du coup qui attaque, le peloton laisse sortir. Donc je me dis, ok, s'il laisse sortir tout le monde, moi aussi. Et au moment où je lève mes fesses pour sortir, là il y a tout le monde qui se met à gueuler, hop, 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 et tout le monde est dans ma roue, impossible de sortir. Vous allez voir que cet effort, je l'ai fait en toute fin de course, alors que devant, on a le Dossard 235 qui frotte, et il lui a dit là, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Donc vous voyez, ça s'est relevé, hein, et Joachim à ce moment-là, à l'avant de la course, lui, il voit plus que la ligne d'arrivée, il pédale à fond. Donc voilà, c'est ici. Alors, regardez-moi bien, regardez ça, bien. Moi je passe, je me replace parce que je me dis, ok, là maintenant, Alexandre, de toute façon, soit il faut que tu sois placé pour le sprint. Je suis pas du tout un sprinter, je voulais éviter le sprint. Donc vu que je voulais éviter le sprint, dans ma tête, je me dis, dans la bosse, au-dessus de la bosse, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une de ces grosses attaques, tu prends la descente, le virage, tu passes la ligne d'arrivée, et ça y est, tu fais un sacré résultat. Parce qu'il faut que vous sachiez que je peux pas prendre le maillot de champion du monde, étant donné que je suis pas licencié dans cette fédération. Et puis ça n'aurait aucun intérêt, parce que je compte pas courir en EDH l'an prochain spécialement, à part si vraiment il n'y a pas de course ailleurs, et donc il n'y a aucun intérêt. Donc devant nous là, c'est pas Joachim qu'on voit, c'est un autre coureur, c'est un deuxième coureur. Donc il y a Joachim devant, puis il y a ce coureur là, et puis il y a un troisième coureur, regardez, qui va attaquer à ma droite. En fait, qui avait le même plan que moi. Donc là, hop, il attaque là, le noir et rouge. Il avait le même plan que moi, c'est-à-dire attaquer dans le haut de la bosse. Sauf qu'il attaque un petit peu avant moi. Je peux pas prendre la roue. Et il le laisse sortir. Personne ne réagit. Voilà, personne ne réagit. Tout le monde se regarde. Donc là, moi, je me dis, ok, parfait. Alexandre, t'as qu'à faire pareil. Donc, j'y vais. Je fonce. Je mets une grosse mine. Sauf que quand c'est moi, tout le monde crie et tout le monde prend ma roue. Donc là, il faut savoir que tout le monde est en file indienne dans ma roue. On veut pas me laisser sortir. Sauf que je suis en train de faire un... Enfin, ils sont encore en train d'essayer de rentrer là. Ils sont pas encore rentrés sur moi. Donc je fais mon effort. On rattrape le coureur qui avait tenté de s'en échapper. Voilà. Moi là, je me relève parce que tout le monde est dans ma roue. Le coureur qui est devant, là pour le moment, il est deuxième virtuellement. Et il y a toujours Joachim premier, bien loin devant. Et là, du coup, je me relève et plus personne ne roule. Donc c'était vraiment moi, je posais problème. Je ne pouvais pas être à l'avant. Donc ils ont laissé partir deux coureurs. Et quand moi, en tant que troisième coureur, j'ai voulu m'échapper, tout le monde est revenu sur moi. Et ils sont revenus sur moi. Et quand une fois qu'ils étaient sur moi, ils ont laissé l'autre continuer. Et m'ont laissé, voilà, tout seul, là. Et là, on est quasiment dans le sprint. Et moi, là, je me dis, ok, j'en ai marre. Je venais de faire mon effort en essayant de sortir. Je suis vraiment pas doué au sprint. J'avais pas envie de prendre de risques. Donc voilà, là, il commence à lancer les attaques et les sprints, etc. Moi, je vais tout simplement me laisser redescendre. Et je vais terminer cette course en roue libre, quasiment. En terminant au cul du peloton. Parce que de toute façon, j'avais pas envie de sprinter. J'avais pas. Mentalement, j'étais pas prêt à sprinter. On peut voir que Clément, là, il était venu faire sa petite course d'entraînement. Il est aussi à l'arrière, il se balade. Mais voilà, les sensations étaient bonnes. Ça permettait une reprise. Sans oublier que mercredi, moi j'ai déjà participé à cette course, vu qu'on est jeudi à l'heure où j'enregistre la voix. J'ai participé à une grosse course que vous n'aurez pas en vidéo parce que malheureusement, la vidéo n'était pas autorisée. Mais donc, il fallait aussi penser à cette course au niveau de la récupération. Mais voilà, comment s'est terminée cette course. Je vous laisse avec ce sprint et puis on se retrouve avec le mois du futur.